Donc après avoir évoqué Marguerite Duras, donc son œuvre qui est très forte, mais un peu éloignée du plus grand public, d'évoquer un film beaucoup plus connu et qui a eu beaucoup de succès en son temps, et une figure de femme cinéaste aussi, pour ce film voilà, très, très marquant pour l'époque, c'est 69. C'est Nelly Kaplan qui a longtemps été une collaboratrice de Abel Gance, et là, dans ce film, la fiancée du pirate, en fait, elle s'empare de Bernadette Lafont pour en faire une espèce de sorcière moderne qui va créer le trouble et dérouter tout un village. Voilà, il y a un petit extrait assez éclairant avec la pétulance de Bernadette Lafont. Et c'est un film qui a eu plus d'un million de spectateurs. Ça a vraiment été un gros succès. C'est devenu un classique aussi. Et Nelly Kaplan a fait ensuite plusieurs comédies dans les décennies suivantes, qui sont moins connues. Alors, un petit extrait. Donc ça, un gros succès. Alors, beaucoup moins connu, mais aussi une femme qui réalise dans les années 60, c'est Paula Del Sol, hein, très méconnue. Alors elle, c'est un petit peu la nouvelle vague dans un sens plus large. En fait, la nouvelle vague, c'était aussi l'irruption de beaucoup de nouveaux réalisateurs et réalisatrices. Pour résumer un peu, au milieu des années 50, il y avait 15 nouveaux réalisateurs par an, des gens qui n'avaient jamais fait un long métrage, pour très peu de femmes. Et à partir de la nouvelle vague, c'est 35 par an. Donc ça permet à beaucoup plus de gens nouveaux de démarrer, y compris des femmes. Et donc Paula Del Sol, elle se situe dans ce courant-là. Et elle va faire un film qui s'appelle La Dérive. Là, c'est en fait, elle est roman photo. Je ne sais pas si vous savez, il y a eu des rééditions de roman photo adaptées des films de Godard. Mais les films, ils avaient dans les années 60 souvent des formes de roman photo qui étaient republiées après. Et là, c'est donc cette dérive, qui est le récit d'une adolescente assez mal dans sa peau, qui a une espèce de mal-être. Ça se déroule en province à Palavas-les-Flots. Et l'acteur masculin principal, c'est Pierre Barou, hein, qui fait une carrière de chanteur ensuite. Et ça n'a pas été un succès. Elle a fait le film, mais finalement, elle n'a pas continué immédiatement. Elle n'a réalisé qu'un seul film ensuite, avec André Dussolier, qui s'appelle Ben et Bénédicte. Hein, donc voilà, c'est l'exemple, dans le courant général de la nouvelle vague, un film, puis très longtemps après, un autre film. Donc une carrière qui s'esquisse, mais qui ne démarre pas vraiment. Alors, aux États-Unis, toujours à l'écart des circuits commerciaux, en fait, il y a des grands cinéastes qui se révèlent avec des films qui sont relativement peu nombreux. Hein. Donc, il y a une très grande documentariste, c'est Shirley Clarke, qui a commencé à faire un film plutôt de fiction avec des musiciens en 61. Des musiciens, voilà, ils sont amateurs de jazz moderne, musique, mais aussi un peu de drogue et de beaucoup de liberté. Ensuite, elle a fait une fiction avec des noms professionnels qui s'appelle The Cool World. Et ensuite, finalement, c'est un de ses films les plus marquants qu'on représente souvent dans des festivals de films documentaires. C'est ce Portrait of Jason. Et là, Shirley Clarke va trouver une espèce de personnage très extraordinaire qui a un bagou tout à fait extravagant. Alors, c'est un petit extrait en américain, mais vous allez voir la faconde du personnage. Et le film doit exister en DVD, les films de Shirley Clarke sont réalité. Et c'est un peu reconnu maintenant comme un prototype de film où on va filmer un personnage longuement, hein, avec son discours, ses manières d'être. Et donc là, en ça, elle était vraiment fondatrice, Shirley Clarke. Petit extrait parce qu'il est en américain, c'est réédité, avec les sous-titres, on comprend tout ce que le titre dit. Mais voilà, c'est une veine du documentaire, un documentaire c'est très varié, mais il y a cette veine-là qui est de prendre un protagoniste et de le filmer, souvent longtemps, on peut filmer un jour, deux jours, et ensuite ça fait une heure ou une heure trente de film, mais voilà, là-dedans c'était prototype. Et Shirley Clarke, on la voit aussi dans une fiction de Agnès Varda qui s'appelle Lion's Love, quand Demi et Varda sont partis aux États-Unis. On la voit comme protagoniste d'un film de fiction de Varda. C'était logique que les deux femmes se rencontrent et aient envie, à un moment, de collaborer sur un film.
Alors, ça c'est la grande cinéaste des États-Unis, je reparlerai l'autre talent, mais les films sont un peu plus particuliers, c'est Suzanne Sontag, qui est une essayiste importante, qui a une biographie qui est parue récemment à son propos, mais elle est encore plus à l'écart que Shirley Clarke de l'industrie américaine, ce qui fait qu'elle va faire même deux fictions, mais tournées en Suède, et ensuite elle fera deux films essais, donc elle n'a jamais intégré complètement sa notoriété journalistique en tant que théoricienne, lui permettait de trouver de l'argent pour des films modestes, type documentaire essayiste aux États-Unis, mais elle n'a pas pu faire de carrière bien continue. Alors ça c'est les États-Unis. À l'Est, par contre, il y a plus de place pour les femmes, donc il y a pas mal de femmes qui vont s'emparer des caméras et réaliser. Alors, un film très très connu, mais on connaît moins les autres films qui sont aussi intéressants. D'ailleurs, Arte a diffusé le précédent, un des tout premiers films, donc c'est Vera Shikilova, avec le film qu'il a fait connaître, c'est Les Petites Marguerites, alors qui est devenu un film très emblématique, ce qui fait qu'aujourd'hui on lit assez souvent des scénarios de films de fiction où des jeunes réalisatrices proposent de filmer deux personnages, dont on voit que c'est transposé dans l'époque contemporaine et le pays de l'apprentie scénariste réalisatrice, c'est une transposition des Petites Marguerites, alors quelquefois plus ou moins heureux parce que l'original était tellement fort que ça a marqué l'histoire du cinéma. En fait, au centre du film, on a deux jeunes filles complètement délurées, anticonformistes, qui mènent au milieu d'un monde réaliste une vie assez irréaliste. Elles se promènent dans des grands bâtiments vides, là, elles sont dans des sous-sols. Et vous allez voir à la fois le type de jeu, l'attitude des jeunes femmes, et aussi le style de montage très, très amusant de Vera Shikilova. Paradoxal, c'est que le film, ils ont pu le tourner. Alors, c'est une époque quand même où on a retrouvé les scénarios des films, on confiait les films à certaines équipes, c'était quand même tout ça dans un système communiste. Mais évidemment, c'était un moment de libéralisme. Et quand le film a été terminé, il est très très bien passé auprès des autorités, à la fois parce que le moment du grand libéralisme artistique se dissipait dans tous les pays de l'Est, dans ce milieu des années 60, et aussi parce qu'ensuite, dans le film, elles vont arriver dans une pièce où on a préparé tout un grand repas de réception, manifestement pour des officiels, et la fin du film, tu vois, ça va durer un bon quart d'heure, elles vont se battre avec la nourriture, en se la jetant à la tête, en jetant partout. Et là, c'était absolument scandaleux de gâcher la nourriture, qui était rare et difficile à obtenir à l'époque, en Tchécoslovaquie, pour trouver une nourriture variée, et ça a été le point final qui a choqué les autorités. Et donc le film a été interdit pendant un moment. Voilà, donc c'était vraiment une liberté anarchiste des personnages. Et ensuite, elle a tourné encore au moment du Printemps de Prague, un film qui s'appelle Les Fruits du Paradis. Et un de ses films précédents était passé sur Arte, qui était tout à fait intéressant. C'est aussi Portrait croisé de deux femmes, dont une qui était gymnaste. Et c'était tout à fait intéressant. Alors ça, c'est la Tchécoslovaquie. En Hongrie, une figure qui était assez connue dans les années 70, un peu moins maintenant, mais des films sont tout à fait intéressants. Donc là, le petit coup de pouce pour Maria Metzaros, c'est qu'elle a fait ses études à Moscou, une grande étude de cinéma, le BGIK, où beaucoup de cinéastes de différents pays étaient invités à faire des études. Donc elle a fait plusieurs documentaires avant de faire des fictions. Elle a commencé dans la fiction en 68, et elle est très connue à partir de 75. C'est son film le plus connu en fait, cette Adoption, qui a eu l'Ours d'Or à Berlin. Donc, dans le monde, les trois principaux festivals de cinéma, c'est Venise, Berlin et Cannes. Et donc l'Ours d'Or, c'est vraiment la consécration dans un très grand festival. Et ensuite, elle a fait une carrière avec des films moins connus, mais des films quand même intéressants. Donc elle est aussi un peu redécouverte. Enfin, ses films circulent notamment sur les plateformes. Et ça, c'est le Adoption. Et ça, c'est une petite bande-annonce. Donc elle, une fille et sa mère. Oh, juste le rappeler le titre, un peu le petit extrait que j'ai piqué dans une bande-annonce. Et voilà, le personnage principal, en fait, c'est la mère, elle a une situation professionnelle où elle se bat dans son entreprise, elle a une relation amoureuse, elle a sa fille. Et c'est un film très, très fort du point de vue de la direction des acteurs et des thèmes. Donc, ça, c'est la Hongrie. Donc, on a une femme cinéaste qui est une reconnaissance internationale.
Il faut parler bien sûr de l'URSS, on pourra aussi en parler longuement. Kira Muratova, donc, peut-être ukrainienne, ou alors après l'Ukraine c'était l'URSS complètement à ce moment-là. Elle étudie à Moscou, elle débute en 67 avec un film qui s'appelle Brève rencontre, et ensuite en 71 elle fait Les longs adieux. Alors ça va être interdit pendant un bon moment, trop de liberté de relation entre les hommes et les femmes. Un film pas du tout idéologique, donc ça va pas passer. Elle va continuer à tourner, mais à chaque fois, elle aura des conflits avec les autorités à propos des scénarios, et ça va finir par compromettre complètement la production d'un film qui sera totalement arrêté, qui s'appelle Parmi les pierres grises. Et il faudra que Gorbatchev prenne le pouvoir pour qu'elle puisse recommencer à tourner à la fin des années 80, et ensuite elle tourne encore jusque dans les années 2010. Donc, j'ai pris juste une photo parce que je voudrais parler d'une autre réalisatrice soviétique importante. Et c'est vraiment, c'est des films très très attachants et plein d'humanité, enfin plein de force cinématographique. Et pour donner un petit exemple de l'intérêt que ça suscite dans le public, alors ça fait vraiment plusieurs années, je ne sais pas, peut-être 12 ans ou 15 ans, il y a une rétrospective de ces films au Festival de Belfort. Et Belfort, un peu plus au nord dans l'Est. C'est un festival où il y a quelques Parisiens, gens de cinéma qui viennent participer au festival, mais il y a un public local qui est très friand de découvrir des films, et personne, le public local, ne savait pas bien qui c'était Muratova. Alors voilà, une cinéaste formidable en Union soviétique qui fait des films. Et en fait, les gens étaient tellement passionnés par les films que bizarrement, pendant la durée du festival, il y a à peu près un film de Muratova tous les jours, sauf un jour. Et les gens se sont plaints, ils ont dit c'est honteux, le mercredi, il n'y a pas eu de film de Muratova. Alors elle dit, il fallait caser tous les films, c'était une histoire de rythme. Mais il y a vraiment, les gens se sont plaints, ils en avaient vu trois, ils voulaient voir la suite jour après jour. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut tout à fait redécouvrir, et c'est très important. Alors Muratova, c'était longtemps une figure très très connue, et on a redécouvert, il y a quelques années déjà, 5, 7, 8 ans, une autre femme qui est Larissa Shepitko. Alors il y a eu la malchance de mourir plus jeune, donc de faire moins de films. Et Larissa Shepitko, elle a réalisé plusieurs films dans les années 60-70. Elle est morte dans un accident de voiture lors d'un repérage pour un film. Elle avait écrit le scénario. Et en fait, le film ensuite a été... Elle était en train de repérer, je crois, avec son chef opérateur. Et elle est morte dans un accident. Et le film a été ensuite terminé, mais d'une manière différente, par son époux, quelques années plus tard. Alors en fait, je voulais vous montrer une petite bande-annonce qui représente en anglais l'ensemble de plusieurs films intéressants. Ça permet de commenter. Et c'est des films qui sont disponibles en DVD. Et c'est très très passionnant de les découvrir. Alors évidemment, elle était dans une école de cinéma, même si c'était la seule fille. Voilà, c'est une promotion. École de cinéma, voilà, vous sortez, vous avez logiquement l'aspiration et la qualification nécessaire pour réaliser. Voilà, donc c'était un peu la génération des Paradjanov et des Tarkovsky. Elle avait un peu moins de difficultés avec les autorités, parce que les deux autres avaient des grosses difficultés, mais ça n'empêche pas la qualité des films. L'action se déroule au début des années 60, et c'est une femme qui dirige une école technique. Et en fait, pendant la guerre, elle était aviatrice de combat. Et donc, il y a des souvenirs à un moment des combats aériens avec des plans très très extraordinaires. Donc, elle dit que voilà, n'hésitez pas à aller tourner dans des conditions dures. Évidemment, ils tournent dans la neige, des conditions assez difficiles, les résistants, ils se battent vraiment dans la neige, dans le froid. Ou alors, comme les films circulent aussi pas mal, alors, c'est vrai, les écoles de cinéma, il y a un truc formidable aussi, c'est qu'évidemment, ils obtiennent des copies des films d'autres pays que le public en général ne voit pas. Et dans les écoles du cinéma, on voit du Bresson, certainement des films de la Nouvelle Vague, même dans les années 60. Ils accèdent plus facilement au festival aussi dans leur propre pays en tant qu'étudiants de cinéma. Donc c'est une ouverture vers beaucoup de formes filmiques et de camarades et de réalisatrices. Je dis, c'est pas seulement les thèmes qui sont intéressants, mais c'est la manière de traduire, de structurer les films. Et vraiment les deux films, par contre ça s'appelle en anglais, c'est The Ascent. J'oublie que le titre français, évidemment le film sur les résistants. En plus, c'était un film qui abordait un thème assez tabou, parce qu'à un moment, une partie des partisans soviétiques qui sont capturés pour échapper à la torture ou à la prison, l'exécution, ils trahissent et ils se retournent et ils se laissent enrôler avec les troupes allemandes.
Et ça, c'était un truc qu'on n'abordait pas dans le cinéma soviétique. Alors, c'était aussi parce que c'était les années 60. Et le film avec l'aviatrice, il est vraiment magnifique. Ça, c'est vraiment quelque chose à découvrir, qu'on ne connaît pas assez, mais qu'à nouveau, les restaurations numériques permettent de remettre en circulation les films. Alors, hier, on pourrait évoquer aussi une femme qui s'appelle Yulia Solnetsva, qui est l'épouse de Dovzhenko, hein, c'est un grand réalisateur qui avait commencé même dans les années du muet, qui a co-réalisé avec lui, et elle a même fait un film qui s'appelle Le récit des années de feu en 61, je ne suis pas sûr que ça circule, et elle a eu un prix de la mise en scène à Cannes, hein, donc on reparlera des prix et des honneurs décernés des cinéastes femmes, il n'y en a pas tellement, et là, la réalisatrice soviétique s'était distinguée. Excusez-moi, vous pouvez juste répéter son nom ? Ah oui, elle s'appelle Yulia Solnetsva, S-O-L-N-T-S-E-V-A. Alors là, je ne vous promets pas que vous allez arriver à trouver. Alors bon, en cherchant bien sur Internet, on arrive peut-être à trouver des petites brides de qualité. Je ne vais pas vous revérifier. Hein. Alors, en plus, ce qui est sur Internet, ça change de mois en mois, de semaine en semaine. Alors, des choses qui sont disponibles disparaissent, ça arrive aussi, et puis quelquefois il y a un flux de nouvelles choses. Alors, globalement, il faut dire que la situation à l'Est est meilleure. Elle est quand même meilleure, parce que elles accèdent à des fonctions de réalisation, elles ont des difficultés, mais globalement, il y a quand même une poussée manifeste d'étudiants diplômés de cinéma, et on verra que par rapport aux États-Unis à la même époque, même un peu plus tard, c'est beaucoup mieux. Alors, en Europe, il faut dire un mot des réalisatrices allemandes. Et là, l'Allemagne est certainement le pays où la situation des femmes a été meilleure. Il y a beaucoup de femmes qui ont commencé à travailler. Elles se sont organisées aussi entre femmes réalisatrices ou femmes qui travaillaient dans les métiers du cinéma pour s'exprimer, réfléchir sur leur travail, leurs conditions de travail. Alors, dans ce qui s'appelle le jeune cinéma allemand, là, c'est vraiment les débuts des années 60. Alors, on connaît plus peut-être deux grandes figures masculines qui sont Alexander Kluge, qui est aussi un théoricien, et Edgar Reitz, celui qui a fait un long feuilleton qui s'appelle Heimat. Certains s'en souviennent, qui raconte l'histoire à travers les années d'une petite ville allemande. Mais avec eux, et un peu à leur côté, produit en partie par les jeunes producteurs qui produisait les films des deux hommes plus connus. On avait Mech Pils. Alors, notamment, elle a fait cette comédie. Et voilà, c'est une espèce de à bout de souffle, en fait, avec un jeune voyou, une jolie fille. Bon, on a une affiche avec l'actrice déshabillée, c'est toujours vendeur. Une photo de tournage, ils sont en train de tourner à la piscine. Alors, la réalisatrice, elle a pris la même tenue que les figurants. Et derrière, c'est Peter Chamonix qui est à la caméra, qui est aussi un producteur vraiment des films de ce jeune cinéma allemand. Et la particularité de ce film-là, qui était peut-être un peu moins intellectuel, comme les films de Kluge, qui sont des films de montage très réflexifs, ou les films de Reitz, qui étaient très dramatiques, c'est qu'il y avait un ton de tragicomédie assez amusant. Et donc c'est ça qui a été le grand succès, en fait, du jeune cinéma allemand. C'est un film qui a vraiment un succès public, et ça a bien marché, je crois qu'il y a presque un bon million de spectateurs. Alors il y a une autre figure qu'on pourrait évoquer, mais je ne vais pas évoquer trop longuement trop de gens, c'est bien sûr, alors l'homme vient de mourir, mais c'est le couple que formait Jean-Marie Straub, qui est décédé il y a quelques jours, et Daniel Huillet. Et Daniel Huillet, c'est vraiment un travail en commun. Alors, Daniel Huillet n'a pas toujours signé la co-réalisation des films au début, mais en fait, elle est totalement associée à tout le processus créatif. Ensuite, ils ont co-signé complètement. Et ces deux Français, alors, j'en parle à propos de l'Allemagne, parce qu'en fait, ils ont fait leur premier film en Allemagne, Jean-Marie Straub, il vient de mourir en Suisse. En fait, il a déserté, il était français, lui, il était lorrain, mais il connaissait la bande des cahiers du cinéma, les réalisateurs, et en fait, il n'a pas voulu aller en Algérie, donc il a franchement déserté. Donc, quand on désertait, soit on allait en prison si on était attrapé par les autorités françaises, soit on fuyait à l'étranger. Donc, lui est parti en Allemagne, et avec Daniel Huillet, qui était sa compagne, ils sont exilés tous les deux. Ils ont fait des films assez importants en Allemagne. Un film d'après Heinrich Böll, qui dure à peu près 50 minutes, très complexe mais très beau. Et ils ont fait aussi un film qui est assez fameux pour ceux qui connaissent un peu la musique et la musique baroque. Ça s'appelle La chronique d'Anna Magdalena Bach. En fait, c'est le journal
de l'épouse de Jean-Sébastien Bach, et donc il raconte un peu sa vie, les conditions de travail de son mari. Et Bach est joué par Gustave Léonard, qui est un des premiers grands musiciens qui a remis l'idée de travailler les œuvres baroques avec des instruments d'époque, et qui joue pendant de longues prises en direct les œuvres de Bach sur un clavecin d'époque. Donc c'est un acte même fondateur de la musique baroque, et aussi parce qu'ils avaient ce souci de travailler aussi sur une vérité musicale, comme Strobe-Huillet avait le souci de travailler sur une vérité cinématographique. Alors c'est souvent des films très arides, ils vont adapter des œuvres de Hölderlin, un auteur dramatique allemand du début du 19e qui adapte lui-même Sophocle, ils vont adapter une Pavèse, donc en reprenant les dialogues, le dit des acteurs. C'est un cinéma très très dense, que tout le monde n'apprécie pas, et que la critique française n'était pas complètement fan, mais c'est une femme aussi importante. Alors, en Allemagne, on pourrait parler aussi d'une autre femme, qui s'appelle Ulla Stöckel. Voilà, les films ne sont pas très disponibles en Allemagne, on peut les voir, les montrer dans des festivals, mais elle aussi, elle a été élève des premières écoles allemandes. Alors, à partir de la moitié des années 60, il y a eu plusieurs écoles de cinéma qui ont été créées en Allemagne, à Berlin-Ouest, à Ulm, à Munich. Donc c'est pareil, ça a favorisé l'accès des femmes aux fonctions de réalisation. Et elle a tourné un long métrage dès 1968, Ulla Stöckel. Ensuite, elle a une carrière plutôt indépendante, pas tellement dans le champ du cinéma de fiction commercial. Donc ça, c'est pour dire un mot de l'Europe, mais je parlerai des développements allemands encore un peu plus tard, on est toujours dans les années 60. Et là, il faut dire un mot alors, d'un film immense, même si ça n'est que d'un court métrage, d'un film unique, donc je vais vous montrer juste un petit extrait, et c'est une poétesse iranienne qui s'appelle, alors ça se transcrit Farrokhzad. Elle est morte très jeune, encore un accident de voiture, donc elle n'a tourné que ce film-là, alors qu'elle avait un projet de long métrage, et là elle fait un film poème en fait, qu'on pourrait relier aussi à des films de Pasolini par exemple, dans une institution pour lépreux, et donc ça s'appelle La Maison est Noire. On voit l'extrait, on comprend d'où vient le titre du film. Alors c'est un petit extrait. Alors malheureusement, ce film-là, il doit en circuler des copies, mais pas de très bonne qualité sur Internet, et ça serait bien que quelqu'un l'édite vraiment en DVD. Correctement, c'est un peu dommage de le voir dans une qualité vraiment dégradée. C'est un film très, très important que j'ai pu le voir en projection. C'est vraiment très, 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 très intense. Je vous montre un petit extrait. La maison est noire. Vous puissiez voir le film en entier. Voilà, je vous recommande d'essayer de voir une copie de bonne qualité. Et finalement, c'est terrible des choses, c'est pas un film pessimiste aussi, enfin, pour voir le film. Pour comprendre, nous avons un des très beaux films dans l'histoire du cinéma, indépendamment, alors ça, il faut le redire aussi, enfin, souvent, on pourrait penser que c'est une très bonne réalisatrice parmi les femmes réalisatrices. Non, les femmes réalisatrices, c'est une très bonne réalisatrice parmi les réalisateurs, hommes ou femmes. Et ce film-là, il est tout à fait essentiel. Et il faudrait qu'il puisse circuler et qu'on puisse le voir dans des bonnes conditions. Alors, les années 70, alors là, c'est-à-dire que les conditions deviennent complètement différentes pour les femmes cinéastes. Il y a aussi des volumes de production qui augmentent un peu partout. Plus on va faire de films, plus ça donnera l'occasion à des femmes réalisatrices de travailler de manière assez continue. Donc, du côté de la France et de la francophonie, alors Chantal Akerman, vraiment une très grande figure. On fait complètement les dates, elle a dû naître vers 1950. Elle est belge, francophone. Elle a débuté très jeune, elle a fait un court-métrage à 18 ans, qui s'appelle Saute ma ville. C'est étonnant, son personnage se fait sauter à la fin du film. Et ensuite, elle a fait une œuvre vraiment majeure avec beaucoup de films, entre la fiction et le documentaire, dans des conditions de production assez différentes, donc quelquefois des films de fiction avec des productions étoffées, des acteurs, quelquefois des films documentaires où elle part un peu avec une équipe réduite, tournée dans différents pays au monde.
Elle s'est promenée dans différents continents, donc elle a filmé aux États-Unis aussi bien qu'en France. Et il y a un film très important d'elle, qui est bien connu maintenant, voilà, qui s'appelle Jeanne Dielman, 23 rue du Commerce. Et le titre exact, c'est ça, hein, 1080 Bruxelles. Donc c'est vraiment l'adresse postale. Donc, bien sûr, c'est Delphine Seyrig qu'on voit ici qui joue ce personnage, alors qui est une ménagère bruxelloise, et dont on va suivre minutieusement et longuement pendant toute une partie du film. Le film va durer 3 heures. On va suivre minutieusement des travaux ménagers. Après, il y aura des épisodes un peu plus dramatiques, mais j'aime bien montrer cet extrait. Voilà, je vais arrêter, hein, ça dure un bon moment. Alors, en même temps, il faut bien se rendre compte que tout ceci, c'est quand même conçu, cadré, c'est des fines séries, elle est coiffée d'une certaine manière, elle a un tablier, il y a le rideau, il y a la position de la caméra, et le fait qu'on reste en plan fixe quand elle sort du champ, qu'elle va chercher quelque chose dans le frigo, on va pas bouger la caméra. Donc tout ceci, c'est quand même une vision artistique et créative, mais en même temps, bien sûr, Carmen veut montrer, voilà, le temps de travail des femmes à préparer sur ces tâches ménagères qui est ignorée, sur lesquelles on ne s'interroge pas forcément beaucoup à l'époque, quand même un peu dans les années 70. Enfin, pour une partie de la société, ça va de soi que les femmes doivent passer beaucoup de temps aux tâches ménagères qui ne sont pas forcément bien partagées. Et donc le film voilà, a hérité aussi beaucoup pour cela. Alors à d'autres moments, le film est plus dramatique, mais je ne vais peut-être pas le raconter. Et ce film vient de trouver une actualité immédiate, puisqu'en fait, il y a une espèce de coup de tonnerre dans la cinéphilie mondiale, en, je ne sais plus, il y a 3, 4, 5 jours, tout simplement parce qu'il y a un nouveau sondage qui, cette fois, a été fait auprès de 1600 personnes par une revue anglaise qui s'appelle Sight and Sound. Hein, le son et la vue. Et donc cette revue, à peu près tous les 10 ans, elle lance un grand sondage, donc elle interroge des réalisateurs, des critiques, des dirigeants de salles de cinéma, des dirigeants de festivals, des acteurs, en leur disant quels sont les 10 meilleurs films du monde à votre avis, les 10 plus importants de l'histoire du cinéma. Alors traditionnellement, longtemps, c'était la règle du jeu. Ensuite, on a eu dans les dernières années, c'était Vertigo, un sueur froid de Hitchcock, suivi de Citizen Kane. De 10 ans, 10 ans, que c'était Citizen Kane avant Vertigo et après la règle du jeu. Et le premier cette année, c'est Jeanne Dielman. Alors certainement, parce qu'il y a cette volonté, alors peut-être ont-ils interrogé plus de femmes d'ailleurs dans leur échantillon des 1600, mais il y a une volonté aussi de remettre dans la lumière des films importants réalisés par des femmes. Donc Jeanne Dielman est venue coiffer sur le poteau, comme on dit, à la fois Vertigo et Citizen Kane. Alors il va sans dire que ça réjouit les uns et irrité les autres. On dit que c'était un film barbant et théorique. Enfin, en tout cas, toujours est-il que pendant 10 ans, le film le plus important de l'histoire du cinéma, ça va être ce Jeanne Dielman. Alors Ackerman, c'est pareil, c'est un peu comme Barda, serait tout à fait intéressant, mais long, et ça m'empêcherait d'évoquer d'autres figures, de parler de tous les films qu'elle a fait. Alors souvent, il y a une dimension autobiographique liée à ses origines juives. Hein, famille juive, donc beaucoup de membres de sa famille qui ont été tués pendant la guerre. Elle a fait en même temps des films dramatiques, elle a fait une comédie musicale, elle a fait une adaptation de Proust qui est très très belle, sans doute une des meilleures, puis non la seule qui a le plus de sens, qui s'appelle La Captive, avec Sylvie Testu et Stanislas Méard, début des années 2000, c'est très très bien. Souvent, elle a au centre des films des personnages féminins, mais pas que, elle s'intéresse aussi à des personnages masculins. Et voilà, elle intéresse de filmer l'humain. Les documentaires aussi sont très très beaux. Hein, donc c'est une œuvre vraiment à découvrir. Alors, bon, malheureusement, elle s'est suicidée au milieu des années 2000 à peu près. Elle a eu des gros échecs commerciaux. Il y a un film qui a été un gros échec pour elle. Le film s'appelle qu'elle a tourné aux États-Unis avec Binoche. Et un acteur masculin qui était très en vogue à l'époque, dont le nom ne revient pas, qui s'appelle Un Divan à New York. Là, c'était un gros échec. Alors, c'était pas un budget énorme, mais enfin, il y avait quand même un peu de moyens. Elle avait deux stars, donc tout le monde pensait, son producteur aussi, son distributeur et elle,
que le film allait avoir du succès. En fait, il a été pas apprécié par les, ni par les salles qui l'ont sans doute pas mis en évidence, ni apprécié par le public. Et là, ça a meurtri pas mal Ackerman. Et elle a terminé avec un très joli film de fiction, une adaptation de Conrad, mais qui a eu très très peu de spectateurs. Bon, elle avait déjà, bon, quand même relativement dépressive et voilà, difficulté d'être. Et elle a fini par se suicider, mais elle a quand même laissé une œuvre vraiment, vraiment importante. Et voilà, maintenant, à titre posthume, ce film-là est reconnu comme le plus important pour 2022 de l'histoire du cinéma. Alors ici, on voit Delphine Seyrig, et Delphine Seyrig, bien sûr, on la connaît comme actrice chez Truffaut ou chez Demi, hein. On se souvient que c'est la marraine fée de Podane, notamment, et elle joue dans ce film de Ackerman. Et Delphine Seyrig, alors, sans avoir réalisé des films de fiction ou des films de cinéma, elle était très engagée dans l'audiovisuel, notamment avec cette autre femme qui s'appelle Carole Arasopoulos, hein, on le voit toutes les deux. Elles se sont emparées très très vite, notamment des petites caméras, des premières caméras vidéo. Un de leurs amis leur a dit, tiens, il y a des nouveaux trucs, des caméras vidéo. Elles ont dit, très bien, on va essayer de tâcher de trouver de l'argent, en acheter. Et on va faire des films féministes. Et donc là, il y a plusieurs essais vidéo où elles interviennent dans la sphère politique française de l'époque, où règne un machisme assez effarant. Et ça a beaucoup de liberté, beaucoup d'humour et d'invention. Et je pense que ça va recirculer, ou c'est visible sur Internet, ou ça va être réédité. Il y a plusieurs films très extraordinaires. Et là, vraiment, Seyrig s'est engagée dans toutes sortes de domaines. Alors, je crois qu'elles ont filmé la cérémonie à l'Arc de Triomphe pour la femme du soldat inconnu, qui avait été interrompue par la police. Il y a une émission, un film redoutable, où elle démonte à une émission d'Apostrophe qui va être de 1975. C'est la fin de l'année de la femme. On invite Françoise Giroud, la journaliste qui était ministre de Giscard, et ministre, je sais pas, peut-être de la condition féminine, comme on disait à l'époque. Et en fait, Pivot, qui n'est pas le pire des hommes, alors confronte Giroud à toute une série de témoignages et d'entretiens filmés avec une bande de machos, mais. Enfin, effarant. Ma famille et moi, heureusement, on ne fréquentait pas des machos de ce type-là, apparemment, ils étaient effarants. Et la pauvre Françoise Giroud, elle est très incapable de se défendre. Et donc, le film, ça consiste à prendre des extraits de l'émission avec la pauvre Giroud qui balbutie deux, trois trous trop gentillets, et toute une bande de filles qui font des commentaires, qui mettent des commentaires sur des petits cartons. Et le film est très très drôle. Et vraiment, ça donne aussi une image du machisme incroyable qui pouvait régner en 75, où quasiment le thème de l'émission, c'est enfin l'année de la femme, c'est terminé. Tellement on nous fout la paix avec leurs revendications des années 70. Ça vaut la peine d'être vu. Et alors, j'ai trouvé, pour préparer la formation, un petit entretien très intéressant. On voit Delphine Seyrig et Varda, bon, toujours Varda, filmés à la télé, et la télé vient les voir pour entendre parler du cinéma féministe. Il y en a qui vont me dire, voilà, des jeunes, ils vont me dire, bah, c'était il y a 50 ans, alors qu'on repose la même question. C'est une bonne question. Voilà, ça serait encore un sujet, c'était une montée comme ça, une redescente. Un regain du machisme. C'est intéressant, on les voit. Alors, c'est toujours qu'elles n'ont pas fait le fameux film dont elles parlent. Je ne sais pas très bien ce que c'est dans la carrière de Varda. Mais en même temps, voilà, Varda a raison. Il y a des moments, il y a des trucs qui sont à la mode, il y a des gens qui vont, des producteurs qui ne seraient pas intéressés à des films sur des sujets féministes qui vont donner de l'argent. Donc il faut en profiter. Et des films séries, donc elle a filmé beaucoup de choses, c'est pareil. Voilà, bon, certains savent ça. Il y a une longue grève, il y a une grève des prostituées à Lyon, je crois, dans les années 75, à la fin des années 70, elles ont occupé des églises. Et là, on a les films de la fin de série, elle prend sa caméra vidéo, elle descend là-bas, elle va filmer les gens, etc. On peut voir des extraits sur Internet. Alors, Seyrig et Rassopoulos, elles sont. Il y a eu un film documentaire de la petite fille de Rassopoulos, qui s'appelle Callisto McNulty, qui a été fait récemment, qui est passé sur Arte, qui peut-être existait en DVD, qui raconte aussi tout le travail qu'elles ont fait. Alors, des femmes réalisatrices qui ont des carrières importantes et qui débutent dans les années 70, c'est Catherine Breillat. Bon, aussi, ça c'est une photo de 2010 à la Biennale de Venise. Elle va réaliser dès 76 un film qui s'appelle Une vraie jeune fille,
bon, très, très autobiographique. Mais en fait, le film ne va pas sortir sur les écrans. Alors, quoi, on arrive à réaliser, mais il faut encore avoir un distributeur. Donc, le distributeur, je vous rappelle, c'est l'intermédiaire entre le producteur et les salles. Et c'est lui qui fait les bandes annonces, qui va appeler les salles et les convaincre, ou non, de passer le film. Donc, si il n'y a pas eu de distribution. Et elle va attendre 79 pour retourner. Donc, elle fait un film en 79 qui s'appelle Tapage Nocturne. Et elle va faire pas mal de films assez régulièrement. Ce qui va la faire plus reconnaître, c'est des films avec des sujets assez sexuels dans le grand sens. Notamment, elle a fait un film avec la star du porno de l'époque, qui était Rocco Siffredi. Alors, un film qui n'est pas porno, mais voilà, des scènes assez, des dialogues assez crus. Ça, ça va beaucoup la faire connaître. C'est une œuvre assez dérangeante et assez intéressante. Elle a été aussi romancière, elle est scénariste aussi. Elle a scénarisé, par exemple, le film assez étrange aussi de Piala, qui s'appelle Police, avec Sophie Marceau et de Barbieux, de 85. Alors, on pourrait parler de Yannick Bellon, Patricia Moraz, du côté de l'expérimental, à mi-chemin entre l'expérimental et le documentaire, il y a Raymond Carrasco, qui va filmer beaucoup au Mexique et aussi sa famille en France. Du côté de l'avant-garde, on parlait tout à l'heure avec quelqu'un, un groupe de femmes, Clonaris et Thomas Daki, qui sont très célèbres dès les années 70 dans le milieu de l'avant-garde. Donc, France avec des grandes figures et des œuvres qui commencent à être beaucoup plus continues. En Allemagne, le dynamisme des multiples écoles et de l'accès des femmes aux écoles de cinéma va donner envie aux femmes elles-mêmes de s'organiser, et elles vont éditer dès 1974. Alors là, vous voyez la petite forme modeste, hein, c'est un perronéoté à l'époque avec l'agrafage. C'est une revue qui s'appelle Frauen und Film, ça veut dire femmes et films. Et donc c'est une revue fondée par une cinéaste dont je vais dire un mot, qui s'appelle Elke Sander, donc c'est la française, dans lequel écrivent des femmes. Hein, donc vous voyez, il y a un article de Nelly Kaplan, un article de Elke Sander elle-même, Nicole Bernheim, Daniel Jenny, qui était un moment un peu critique au vieil du cinéma, qui a réalisé quelques films d'ailleurs aussi. Et donc, c'est des femmes qui vont s'exprimer sur les métiers du cinéma ou d'autres métiers artistiques pour faire entendre un point de vue féminin. Donc les réalisatrices vont être très très actives dans les années 70, qui vont arriver à réaliser pas mal de films, et à tel point que quand le Festival des films de femmes, alors qu'on connaît maintenant sous le nom de films de femmes de Créteil, le Festival des films de femmes de Créteil qui est bien connu, à l'époque il se tenait à Sceaux, hein, il s'est délocalisé à un moment, et la première année en 79, il y avait 15 films qui ont été présentés, en fait il y avait 9 films allemands, tellement les femmes étaient présentes, elles arrivaient à réaliser des films qui étaient intéressants. Et dans les deux années suivantes, c'est à chaque fois des films allemands qui ont remporté les grands prix du Festival de films de femmes de Créteil. Alors, parmi quelques cinéastes allemandes, je voudrais évoquer Elma Sanders Brahms. Hein, Brahms, parce qu'elle est de la famille du musicien. Et elle a une œuvre assez forte, où se distingue notamment ce film qui a été très connu à l'époque, qui s'appelle Allemagne, mère blafarde, hein, qui a, bon, vous allez voir bien sûr, c'est pose la question du nazisme et de ce que faisaient les parents en fait, des Allemands des années 70 et 80, qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant la guerre. Allemagne, mère blafarde, c'est un extrait d'un poème de Brecht, et en fait le film raconte un peu l'histoire de la famille, de la réalisatrice, et on va voir ses parents qui sont extrêmement pro-nazis. Alors c'est la bande-annonce, hein, et à la fin de la guerre, la mère, qui est obligée de fuir au milieu des zones de guerre, des combats, avec la petite fille, et donc elle s'interroge sur le passé politique de ses parents. Les nazis acharnés, voilà, qui même à la fin de la guerre, prônent l'idée que quand même au milieu des ruines, ils vont réussir. Donc ça, c'est vraiment un film important. Alors, elle a continué à faire des films assez régulièrement, qui sont peut-être un peu moins intéressants. Margarete von Trotta, une figure tout à fait importante, elle est toujours bien vivante, qui tourne aussi régulièrement. Et une réédition, d'ailleurs, à Paris, de 4-5 films qui circulent aussi dans les salles à essai. Donc là, on la voit tourner. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est deux affiches différentes du même film. Alors, c'est un film qu'elle a réalisé avec Volker Schlöndorff, hein, c'est une co-réalisation,
ce qui s'appelle en français L'honneur perdu de Katharina Blum. Et en fait, alors d'après un roman d'Henri Jubel, en fait, c'est une jeune femme qui, un jour de carnaval, rencontre un jeune homme séduisant. Enfin, ils se rencontrent dans la soirée de carnaval et finalement, ils se retrouvent ensemble au lit. Et le lendemain matin, le jeune homme s'en va et pas longtemps après, la police débarque parce que le jeune homme, c'est un terroriste d'extrême gauche. Donc on pense qu'elle le protégeait, qu'elle le cachait, qu'elle participait aux opérations politiques. Et la presse, à scandale de droite, la presse Springer, du nom de l'éditeur, se déchaîne contre elle. Alors, c'est une histoire fictive, mais qui reproduit des choses qui se sont vraiment passées. Effectivement, elle a beaucoup de mal à convaincre que c'est vraiment par hasard qu'elle a rencontré le jeune homme, et que quoi qu'elle pense politiquement, enfin, elle n'est pas associée à des opérations terroristes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'affiche. Alors ça, c'est une affiche de l'Ouest, et en fait, ils mettent beaucoup plus en évidence ce qu'on voit en haut, là, à côté du titre. Là, il est marqué « Volker Schlendorf Film ». Je ne sais pas où c'est caché qu'il y a Margaret von Trotta a signé. Et ça, c'est l'affiche de la RDA, parce que le film est sorti en RDA, parce qu'évidemment, ça dénonçait la presse de droite ouest-allemande. Donc c'est un film qui pouvait sortir en RDA. Et là, il y a vraiment marqué, mise en scène, Margaret von Trotta, Volker Schlendorf. Ils respectent la co-réalisation et la part que Margaret von Trotta a pris au film, et donc elle a réalisé récemment, assez récemment, un Arendt, elle a fait un film sur Bergman, donc c'est vraiment quelqu'un qui a été actif depuis 1975, une femme fort sympathique que j'ai rencontrée dans une programmation allemande que j'organisais, et en plus soucieuse de savoir ce qui se passe aussi dans le cinéma contemporain. Alors, il faudrait dire un mot aussi, alors malheureusement, j'ai pas trouvé d'extrait tout à fait correct, mais de la femme qui a fondé la fameuse revue Femmes et Cinéma, qui est Kels Under, elle a fait vraiment des films très extraordinaires, et notamment un film dont quelquefois on connaît le titre parce qu'on l'a lu dans les livres, qui s'appelle Personnalité réduite de toutes parts. C'est l'histoire d'une mère de famille qui est aussi obligée de se battre pour faire son métier librement, qui a des problèmes de couple, des problèmes avec son enfant, des problèmes de vie quotidienne, et elle doit essayer d'arriver à tout mener de front. Donc c'est aussi une affirmation de personnage féminin, voilà, combattant et confronté à toutes sortes de difficultés. Et le film est vraiment très 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 fort. Et toute la carrière de Elke Sander, c'est vraiment une affirmation féministe et cinématographique. Et elle est restée active, pas avec des films de fiction connus, et quelquefois avec pas mal de documentaires, où elle mêle des scènes de fiction et des scènes documentaires, et ça serait vraiment quelque chose à redécouvrir. Et pour donner une idée, il y a eu dans la bibliographie, je cite, un numéro spécial des Cahiers du cinéma sur les femmes cinéastes, enfin, vous trouverez pas mal de femmes que j'ai évoquées, et le rédacteur en chef dans l'éditorial, ou peut-être dans la notice consacrée à Elke Sander, dit que c'est certainement le film qu'il a le plus marqué, qu'il ne connaissait pas, qu'il a découvert parmi toutes sortes de films intéressants. C'est un film très, 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 très étonnant. Voilà, alors Margaret von Trotta, aussi qui débute dans les années 78. Alors, une femme qui vient des arts plastiques, Ulrike Oettinger, qui va réaliser beaucoup de films, des longs documentaires aussi, quelquefois. Et dans ses débuts, elle est plutôt dans vraiment des petits films de fiction, mais assez amusants, qui vont circuler un peu en festival. Et notamment, voilà, ce film complètement fantaisiste, une espèce de film de pirate avec des costumes assez zinzin, fait avec pas grand-chose, c'est ce Madame X. Voilà, j'ai un peu pris une sautille. Alors, ça n'a pas été distribué en France, mais en fait, depuis novembre, il y a 3-4 films de Greg Oettinger de ces années-là qui circulent à Paris, une espèce de mini-rétrospective dans une salle ou deux. Et elle a fait récemment, alors je crois il y a 2-3 ans, un assez joli film qui s'appelle Paris Calligramme. Elle raconte sa jeunesse à Paris. Elle était venue, elle avait dû commencer des études d'art plastique en Allemagne, mais ensuite elle est venue à Paris. Et notamment, elle est mêlée au milieu d'artistes allemands qui en fait avaient fui le nazisme, qui sont réfugiés en Europe, qui sont revenus, qui ne sont pas repartis en Allemagne, qui sont restés à Paris. Et c'est assez intéressant. Elle parle aussi de l'artiste français, plutôt du domaine des arts plastiques qu'on connaît, et de leur début dans les années 60. Alors,
On pourrait parler d'autres réalisatrices allemandes. Je travaille beaucoup sur le cinéma allemand, mais il y a vraiment des choses très intéressantes. Il y a une documentaririste qui s'appelle Helga, Radelmeister. Alors là, je ne suis pas persuadé que ce soit édité en français, malheureusement, avec des sous-titres français. Et il y a une rétrospective à Beaubourg, dans ce qui s'appelle la Cinémathèque du documentaire, avec une bonne dizaine de films, c'était cet été. Donc c'est-à-dire qu'elle est revenue dans l'actualité. Pas d'image. Il y a une femme qui s'appelle Elfie Mikesh, qui fait aussi des films, quelquefois de fiction et des non-professionnels, qui sont très très beaux. Et il y a une remarquable réalisatrice est-allemande qui s'appelle Elke Miselwitz, qui a fait un film magnifique et extrêmement étonnant qui s'appelle Adieu l'hiver. C'est un film qu'elle a fait en 88, donc juste avant la chute du mur. Et elle prend sa caméra et son équipe, hein, son preneur de son, sa caméraman, et puis en général il y a quelqu'un qui porte les sacs. Et elle se promène en Allemagne de l'Est et elle interviewe des femmes de tous les âges qu'elle rencontre dans les trains. Des jeunes, des plus âgés, des femmes qui travaillent, des gens qui sont mères au foyer, des très jeunes filles, il y a des pinquettes en rupture de banc, avec les autorités, qui sont vraiment des coiffures punk. Et elle montre aussi la condition ouvrière des femmes en RDA, qui n'était pas du tout formidable. Et c'est un film très 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 étonnant et qui est beaucoup redécouvert en festival actuellement. Alors ça c'est pour l'Allemagne. Alors, assez étonnamment, un autre pays européen qui n'est pas caractérisé par son féminisme global, qui est l'Italie, va avoir deux réalisatrices femmes qui vont obtenir beaucoup de succès public et de notoriété. Hein, ça, on oublie souvent. Alors, c'est pareil, elles reviennent un tout petit peu. Là, je pense que c'est une affiche de réédition. Alors, la première, c'est Lina Wertmüller. Alors, elle a un nom allemand, mais elle est italienne. Et elle a fait plusieurs films, c'est des fictions très connues dans les années 70. Hein. Alors c'est très des personnages un peu extravagants. Alors difficile de raconter complètement le film d'amour et d'anarchie. Mais en fait c'est un anarchiste dans les années 20 qui veut commettre un attentat à la bombe contre Mussolini. Il est poursuivi par la police, donc il trouve refuge dans un bordel où sa cousine est prostituée. Qu'il présente comme son jeune frère, mais la prostituée évidemment a un protecteur et amant principal qui est un affreux fasciste italien, c'est lui qu'on voit en train de faire le salut fasciste. Donc tout ceci fait une espèce de comédie sur fond de possibilité d'attentat à la bombe contre Mussolini qui est assez étrange. Elle a fait un film en 1974, alors elle aimait beaucoup les films avec des titres très longs, et en 1974, ça s'appelle « Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été ». Un joli titre, alors le film n'est pas essentiel. Son acteur, le barbu qu'on voit là, c'est Gianluca Gemini, qui a aussi une forte personnalité. Et le destin insolite sur les flots bleus de l'été, ça lui vaut l'honneur d'être la première femme réalisatrice à être nommée pour la sélection de l'Oscar du film étranger. Hein, chaque année, il y a les Oscars pour les films qui sont essentiellement américains, et il y a une sélection d'œuvres étrangères. Chaque pays, en fait, sélectionne un film, l'envoie. Il y a une shortlist, une sélection de 5-7 films, et ensuite, les votants des Oscars désignent le meilleur film étranger. Et elle était déjà dans la dernière liste de nominations, ce qui était très important, et ces films circulaient en France, au début, dans ces années-là, tout à fait dans le circuit commercial, comme des comédies dramatiques assez enlevées et assez amusantes. Alors, gros succès aussi, qu'on oublie peut-être, c'est une femme qui a fait ce film-là, c'est le fameux Portier de nuit. Alors, c'est vraiment les films scandaleux des années 70. Bon, il faut dire que le sujet est un peu sulfureux, enfin assez sulfureux pour attirer quand même 1,5 million de spectateurs français. Donc, il ne faut pas penser que les réalisatrices femmes, elles aient toujours eu peu de spectateurs. Et Portier de nuit, alors c'est une histoire en fait où la jeune Charlotte Rampling avait été déportée pendant la guerre et ensuite bien après la guerre, je sais pas, c'est peut-être dans les années 60, 70, elle descend dans un autre pays, dans un hôtel, et en fait le portier, le concierge de nuit, c'est Dirk Bogarde qui était un des soldats du camp qui avait persécuté
Et là, naît une espèce de relation masochiste entre eux assez étrange et très, très scandaleuse du point de vue sexuel, qui a assuré un gros succès du film. Et là, je vous ai trouvé un entretien avec deux, trois petites images du film où Liana Cavani explique que le tournage a été un peu compliqué. Pas ça comme une accusation, je veux dire Bogart en général, mais c'est vrai que c'était une scène fameuse, d'un film fameux, et c'est amusant de voir Cavani. Alors, elle va poursuivre une carrière alors plus discrète, hein, ça c'était vraiment un énorme succès aussi de scandale. Elle va continuer encore jusqu'au milieu des années 80 à faire des films qui sont moins importants, mais elle a fait une adaptation de Malaparte, hein, qui est un romancier italien important, en 80 qui s'appelle La Peau. Donc ça c'est pour l'Italie, il y a vraiment deux grandes figures, vraiment elle avec une grosse diffusion commerciale. Alors, le mouvement qui va porter les femmes à la réalisation va se faire sentir aussi dans des pays au monde où en fait il n'y avait pas de cinématographie à cause de la colonisation. Donc ça va beaucoup changer à partir de la fin des années 60. Donc des réalisatrices africaines, alors d'Afrique noire ou du Maghreb. Il y a une romancière qui va entrer à l'Académie française ensuite, qui s'appelle Asia Djebar. Elle a tourné des films documentaires tout à fait intéressants. Dans son pays, enfin peu de films, mais on en a fait quelques-uns. En Afrique noire, il y a cette figure qui s'appelle Safi Faye, qui est la première réalisatrice africaine qui a fait un court-métrage en 72, puis un long-métrage en 75 au Sénégal qui s'appelle Lettre paysanne, et ensuite elle fera un autre documentaire et une fiction en 87. Alors, c'est pas beaucoup de films, mais elle est vraiment pionnière. Donc c'est une figure qui est très très reconnue, et il y a énormément actuellement d'écoles de cinéma, ou d'ateliers de réalisation pour inciter des jeunes Africains et Africaines à réaliser, à commencer par faire des courts-métrages. Et souvent, le nom qu'on va donner à l'atelier, ça va être le nom de cette femme, Safi Faye. Excusez-moi, vous pouvez juste reciter le nom de la première personne. Alors, la première personne, c'est Asia Djebar. D-J-E-B-A-R. Et là, il me semble que sur Internet, on trouverait des versions. Alors voilà, c'est toujours difficile sur Internet parce qu'on a accès à la fois à beaucoup de choses. Et quelquefois, les versions sont mauvaises, donc on ne peut pas apprécier complètement les qualités du film. Ça, c'est un peu problématique. Alors, sans même compter que quelquefois, on ne sait pas toujours si c'est le film entier, s'il y a des découpes, quelquefois ambiguë. Hein, mais... Alors, au Liban, il y a une cinéaste qui est décédée récemment, en 2019, s'appelle Jocelyne Saab, qui a fait une œuvre assez abondante, mais surtout des courts-métrages. Mais elle a aussi filmé, elle a eu quelques longs métrages qu'elle a réalisés, qu'elle a filmé au Liban, aussi en Palestine, en Libye, au Sahara, en Iran, en Égypte, donc elle a beaucoup circulé dans le Proche-Orient et en Afrique. Et je voulais montrer l'un de ses films les plus connus, qui est un court-métrage qui s'appelle Enfants de la guerre. Donc elle filme des petits Libanais au moment d'un des nombreux conflits. Alors, une petite. Moi, j'ai repris parce que vous voyez les festivals, ça, c'est un festival très important de documentaires à Lisbonne. Évidemment, ils vont aussi rechercher, organiser des rétrospectives, et ça témoigne du regain d'intérêt. Voilà. Puis c'est bien, ça nous donne la chance de revoir souvent des œuvres qui sont un peu disparates. Et les festivals, en général, redéclenchent un intérêt pour remettre sur des plateformes ou remettre en édition DVD un certain nombre de films. Alors, au Liban, voilà une femme aussi qui a fait un film connu, un long métrage, elle a fait plusieurs, mais c'est surtout les deux qui sont les plus connus, c'est L'heure de la libération a sonné, d'une femme qui s'appelle Enis Pour. Ça parle des luttes révolutionnaires, où vous voyez des femmes sont engagées et guerrières, avec le sous-titre, voilà, ce qui nous dit une femme révolutionnaire se vole jusqu'à la dernière goutte de son sang, et c'est les luttes. Révolutionnaire au sultanat d'Oman. Alors, pas uniquement des luttes féministes, mais les femmes étaient aussi engagées dans les combats pour changer le régime et aller vers un régime qui soit aussi moins machiste. Et elle a fait aussi un film qui s'appelle Léla et les loups en 84, qui est une longue fresque sur la condition des femmes arabes au XXe siècle. Donc ça, c'est aussi une figure bien connue dans ces domaines des réalisatrices de ces pays du Proche-Orient. Alors, côté israélien, une cinéaste qui a fait un film de fiction qui a été projeté à Cannes, ce qui l'a fait connaître. Alors,
Ça, il faut le dire aussi, c'est un peu les hasards de l'histoire du cinéma, c'est quelquefois des hasards de sélection. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir des œuvres tout à fait intéressantes, mais ils n'intéressent pas, pour des raisons quelquefois étranges, les sélectionneurs des festivals. Et donc, on ne connaît pas les œuvres pendant un long moment. Quelquefois, il faut très longtemps pour qu'on arrive à comprendre qu'il y avait des gens intéressants qui travaillaient. Alors là, par contre, c'est le cas inverse, puisqu'elle a réalisé ce film, c'était Le moment de la vie d'une femme. Et elle a pu tourner ensuite une douzaine de longs métrages en 40 ans. Et ce qui l'a fait le plus connaître, c'est ce film de 79. Donc c'est un peu une pionnière. Alors avant elle, il y avait quand même une autre femme israélienne qui avait réalisé un film en 69, qui s'appelle Avant le lendemain. Alors Israël n'est pas un pays où la production cinématographique était quand même très très intense. Il n'y a pas énormément de films. Mais donc il y avait quand même une femme qui avait travaillé à la fin des années 60. Puis elle a été un peu la principale femme cinéaste. Alors qu'aujourd'hui, bon là j'anticipe parce que je ne vais pas revenir à chaque fois sur tous les pays. Il y a eu pas mal de femmes cinéastes qui travaillent. Alors une femme qui est actrice aussi, qui a co-réalisé avec son frère, c'est Romy Alcavette. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des films qui s'appellent les Cahiers Noirs en 2 épisodes sont sortis cet été. On revoit les tournages des films et les longues scènes où on voit l'actrice et réalisatrice Romy Alcavette, qui est décédée très jeune, donc elle a co-réalisé 3 films. Une autre femme qui s'appelle Karen Edaya, qui tourne aussi assez fréquemment, et une Israélienne qui tourne pas mal de films coproduits entre la France et Israël, qui est documentariste, qui s'appelle Norit Aviv. A-V-I-V. Et ça, c'est très bien aussi. Hein. Alors souvent, c'est des films très simples du point de vue de la facture cinématographique, mais en même temps, c'est très, dans des genres qui ont l'air minimalistes, c'est très très beau, et il faut choisir ses protagonistes, les gens qu'elle interview, les conditions de tournage, le monter, structurer le film. Ça paraît très très simple, mais il y a un art aussi qui est très délicat dans ce domaine-là, et là, Norit Aviv excelle, et c'est bien possible que d'ailleurs, dans les médiathèques, mais plutôt du côté vu par les sujets documentaires, vous trouviez des films de Norit Aviv, et c'est à la fois très intéressant par les sujets, mais en même temps, c'est des films documentaires tout à fait forts.